Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi sur votre émission de divertissement Mag Office. Bonsoir Stan. Bonsoir Tata Judith. Bonsoir Tata Monique, voilà, Judith est à côté. Et donc, ça fait plaisir d'être au rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis. Nous y sommes encore et on va le faire. Princesse Judith, oui, ça va bien? Monique, bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et voilà, donc notre invité média est déjà avec nous. Il répond au nom de Joyeux Lokosu. Monsieur Lokosu, bonjour. Bonjour madame. Il nous vient de la radio Univers. Il est précisément l'ex-directeur de la radio Univers. Et voilà, donc on va aller tout de suite avec le menu du jour, mesdames et messieurs. Restez donc à notre compagnie avec la princesse Judith pour nous donner le menu du jour. Tata Monique, 5 rubriques vont meubler Mag Office de ce jour, à savoir l'instant humour, ça j'achète, la découverte de l'invité, le City Mic et enfin pile ou face. Merci à toi donc princesse Judith, merci aux amis téléspectateurs. Alors on va aller tout de suite avec la première rubrique, mais avant on va faire un clin d'œil à la régie pour le vif, avant le vif sujet, un moment d'agrément avec ce clip de Fatih, My Happiness. C'est ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mon vrai mon yéné, loi ou à te mettre. Bonheur des terres, ouais, cassement. Mon vrai mon qui côté, ouais, vino. Allô, allô, mais ni mon fait. Mon vrai mon yéné, loi ou à te mettre. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon vrai mon qui côté, ouais, vino. Mon yéné, j'ai ma happiness. Sur laquelle je m'assois. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mon vrai mon yéné, loin ou à te mettre. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon vrai mon okino, qui court. Allons, allons, mais ni mon fait. Mon vrai mon yéné, loin ou à te mettre. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon vrai mon okino, qui court. Vino, mon yéno, j'ai. My happiness, my happiness. Mon yéno, magician, magician.
merci, My Happiness de Fatih. Elle est une béninoise. Elle fait de notre culture. On doit la remercier pour tout ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Comme absolument. Le mercredi et le samedi dernier, je ne voyais que la princesse Judy à travers ceci, mais aujourd'hui, elle est devenue My Happiness. Et ceci, voilà. Mais et non Fatih. Non, ceci, mais la fois passée, à travers, je ne voyais que toi. Le mercredi et le samedi passé, mais aujourd'hui, mercredi et samedi prochain, je vais demeurer ou elle demeurera My Happiness de Fatih. Et c'est réciproque également. N'est-ce pas? C'est joyeux. Je pense que à travers le morceau de Fatih, ça nous a permis quand même de se retrouver, de retrouver notre sourire et tout. Je pense que c'est bien. Voilà, donc la valorisation de la culture béninoise doit être le combat de tous les jours. Donc, parlant de la culture, on va aller tout de suite à la régie pour la première rubrique Instant d'humour. Voilà, moi j'adore l'Afrique. Mais mince, j'adore l'Afrique, c'est vrai. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que le problème généralement en Afrique, c'est que les enfants des grands types occupent les grands postes et les enfants des petits types occupent les petits postes. Et si dans tout ça, ton papa n'est pas un type, le problème aussi en Afrique, c'est que nous autres Africains, nous mettons les enfants au monde et ensuite on compte sur eux. Je me rappelle quand j'avais 2 ans, il y a un oncle de la famille qui nous a rendu visite. Et la première des choses qu'il a eu à me dire, c'était « Coucou Bardolite !» Écoute, il faut vite grandir hein, parce qu'il y a des factures à payer dans cette maison. Et il ne s'est pas arrêté là. Il fait « Allez, viens, viens, viens voir tonton. » Ah, tout. Écoute-moi très bien, Stan. J'ai mis 200 000 francs dans ton baptême et j'espère que tu ne seras pas un ingrat comme ton père. À 2 ans, il me rappelle que mon père est un ingrat qui lui doit 200 000 que moi, quand je serai grand, je vais payer. Tranquillisez-vous. Ici, en Afrique, pendant que les enfants naissent ailleurs en été, chez nous, en Afrique, les enfants naissent endettés. Attendez, moi, la fois dernière, je suis allé voir mon oncle à Akpakpa. Akpakpa est de retour, il m'a remis 500. Mais avant de me remettre 500, il a préparé, on a mangé. Qu'est-ce qu'il a préparé? Il a préparé du haricot avec des œufs et on a bien mangé. Et donc, il m'a donné 500 pour prendre taxi. J'ai dû marcher de Akpakpa à Tokpa. Arrivé à Tokpa, il y avait un petit qui est venu me rencontrer, le petit apprenti. Et il m'a fait, tonton, venez. Et je suis allé le voir. Il fait, il y a une place qui reste ici. Donc je suis rentré dans le bus. Quand je suis assis, il m'a posé sur le moteur. Il m'a posé sur le moteur, j'étais bien assis. Et il faisait chaud, il était midi. Waouh. Il y avait une dame en face de moi, elle voulait tout acheter dans le marché. Biscuits non, bonbons non, chewing-gum non, elle voulait tout acheter. Et même vous savez que quand il fait chaud et que les gens bavardent auprès de vous, ça vous énerve. Alors je cherchais comment faire pour la calmer. J'étais là tranquillement quand l'haricot qui était du côté droit a voulu se déplacer pour aller du côté gauche. Et les œufs ont voulu se déplacer pour aller du côté droit. Donc les deux se sont rencontrés au milieu. Et quand ça se rencontre au milieu, vous-même, vous savez l'effet que ça produit. Et donc tranquillement, j'ai reçu le fax. Et il fallait libérer le fax maintenant. Donc, silencieusement, c'est parti. Ça fait... Et ça a commencé par circuler dans le bus. Ça a circulé dans le bus. Quand ça arrive chez quelqu'un, tu vois la personne faire... Jusqu'à la dame qui était assise en face de moi, elle a respiré par la bouche et par les narines. Silence total dans le bus. Non, personne ne parle. Silence total. Elle me regarde droit dans les yeux et moi aussi je la regarde droit dans les yeux. Au finish, elle fait mais il y a un mot. Non, je vous jure tout. Si elle parlait encore dans le bus, elle a piqué Christian. Je vous remercie. Merci donc à Badal Miga, l'humoriste que nous venons de suivre. Quelle leçon tirez-vous à travers cet extrait? Ben déjà,
Je félicite Badon Migan qui, à l'instar de Jean-Louis Kedahi, que nous avons suivi sur le numéro dernier de Mag Office, nous parle de deux sujets. Premièrement, il parle d'une réalité ici en Afrique qui stipule que, bon, déjà les enfants, quand ils sont là, on commence pas à faire des projections sur eux, sur ce qu'ils vont devenir pour nous permettre de vivre mieux et tout. Et ce que nous oublions parfois, c'est qu'il faut d'abord investir dans l'éducation de ces enfants avant d'espérer qu'ils puissent nous soutenir au soir de notre vie. Donc, pour ceux-là qui nous suivent, on va leur demander d'abord, avant de chercher des fruits de l'éducation de nos enfants, il faut d'abord penser à les éduquer. Il faut d'abord penser à mieux les accompagner. Et ensuite, sur le deuxième sujet qu'il aborde, il nous montre que toutes les situations ne sont pas réglées avec du bruit. Voilà. Il faut régler la situation en douce parfois ou avec le silence. Il voulait calmer et je sais que par moment, si il avait demandé aux gens de se taire dans la voiture, puis c'est un taxi, les gens vont peut-être riposter en disant, mais écoute, c'est pas toi qui nous paye notre taxi, donc laisse-nous. Ça, c'est clair. Voilà, laisse-nous tranquille. Mais il a trouvé la solution magique en envoyant ce qu'il faut, et puis le silence plateau est venu. Et voilà, comme si tu vois, Baron le dit, à haut fil, non, en haut, vent. Ça, c'est vrai, c'est déjà eu. Je ne peux que confirmer. Moi, je pense que par rapport au premier sujet abordé par l'humoriste, je dirais que c'est vrai, en Afrique, c'est notre particularité. Nous avons tendance à compter sur les enfants, sur nos jeunes, mais nous ignorons un facteur. On ne veut pas investir dans l'éducation des enfants et tout, mais on compte tout de suite sur eux. On dit, il a donné l'exemple là tout à l'heure, dès que vous serez tel, vous allez devoir fait ci pour la famille, il y a telle charge qui est déjà là et tout, sans pour autant investir dans l'éducation des enfants, alors qu'on sait en réalité que l'éducation aujourd'hui c'est un point, c'est un facteur, je dirais, essentiel pour tout enfant. Donc moi je dirais quand même qu'il va falloir qu'on puisse investir dans l'éducation des enfants avant de pouvoir quand même espérer quelque chose. C'est important. Ça, c'est Elsa. À présent, notre rubrique consacrée aux annonceurs, mais avant, un communiqué. Un communiqué, nous allons tout simplement inviter ceux qui nous suivent en ce moment, les chefs d'entreprise et particuliers, artistes et acteurs culturels, qui ont envie de promouvoir leurs différents produits, que Mag Office leur propose désormais l'un des canaux les plus intéressants pour vendre et communiquer sur leurs différents produits. Il suffit tout simplement de nous appeler au 97 09 09 90 ou au 99 52 43 53. Rendez-vous, ou si vous voulez, au siège de ETL, si à Saint-Michel, au niveau de l'immeuble de SAM Assurance au 4e étage. Merci à toi Stan, en faisant un détour à la régie pour ces spots publicitaires. Ruyodon wonu wa ya ya de anmo kon dilo gba vinu kon gon etele ton ji ni be sin zanzan gan wero ko me je gan wero me sin tele ngbe ja hozan gbe podo ruyodon pa on no eja toto me ara anmo kon azon lo po we no eje do e bo ka reon an le concession ajo to eji azo ko ten to eji ganji ruyodon ma o mana ni teboni onu we da ba bo ja ji da gbe okan na gbere keno ho bonu gbeli no budo kevia wa tunu ba tunu bonu je gan bonu be gbe a e so gbe do memo gbon we kela gonu e tele toji no ye gbasa da sojoto adase mboa ndando Adwa semu bo. Ndo wa npe video. Me ko de suno aka wa no ha. Agubele a venu.
pour faire nous étape. Mais des ouais vers nous mions. Quelle qu'en soit la raison de déboué, n'a pas non tué. Vobodoubé, à Koulonon Zangbe, donc gantenemé, badanoule, bi, ouaye, nouye, donouye, toedi, nouye, bassa. Wapokuba. Boto kounou dide, teme teme le pan, nouye, bassa. Vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Du nouveau sur ETélé, il est midi. Une heure d'horloge de culture, de divertissement et d'humour. Du lundi au vendredi, donnez vos avis sur le thème du jour. Vous pouvez aussi envoyer des dédicaces à vos proches, le tout dans la bonne humeur. Il est midi, votre rendez-vous détente sur ETélé. Il ne faut pas avoir peur des petits débuts. Nous sommes à notre... Made in Benin, votre rendez-vous hebdomadaire sur ETélé avec l'innovation et l'entrepreneuriat. ETélé, la chaîne de l'excellence. Merci à la régie et pour avoir plus de visibilité sur votre entreprise, produit ou service, appelez juste le 97 09 09 90 ou le 99 52 43 53 ou le 21 31 49 20. Alors monsieur Lokosu, oui, on est là. Je suis là. C'est quoi votre clip préféré? Sévis-toi de Didier Kérosène. Kérosène, oui. Alors on va voir, on va faire un tour à la régie, voir si Lokosu, monsieur Lokosu, est chanceux. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout préprendre. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Charles Aruna, Christian Autruditier, Capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. En vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba, en bivoiture. Kenzo Cash Money, Yves de Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et voici, enfant de Bobo est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto, enfant de New Bell, est devenu grand patron. Boom, c'est parce qu'il a bataillé. Envie Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé oh,
ma vie a changé, oh. Yo lele, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. L'or sont au bien. Yo lele, oh. Tu joues la merveille, oh. Yo lele, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Saga 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 pichichi, Supra Tony, la même fantôme. Alex Gassien, Juma Saïdo, Abed et Turin, Razak Gassine, Sultan Moscou, Président Docteur Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel, c'est la victoire. Monsieur Lokosou, voilà, la chance est effectivement de votre côté. Vraiment, je suis chanceux. Je suis né chanceux. Alors, il va nous fredonner un peu. Non? Mais oui, puisqu'il aime la chanson, et effectivement, quelqu'un de très proche nous a confirmé que vous adorez Kérosène. Ah bon? Mais oui, donc, montrez-nous que vous aimez réellement Kérosène. D'accord, bon, c'est vrai, j'ai pas une belle voix, mais je vais essayer quand même de fredonner quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Bon, moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Il est lélélé, ma vie a changé, oh. Il est lélélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Il est lélélé, ma vie a changé, oh. Il est lélélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Car en vérité... Merci Monsieur Joyeux Lokosou. Il est l'ancien directeur de Radio Univers. Alors, on va le découvrir tout de suite. À nouveau, bonjour Monsieur Lokosou. Bonjour Madame la journaliste. Et voilà, l'émission, c'est de mieux vous connaître. Se décrire, c'est un exercice très difficile, ouais. Mais vous n'avez pas le choix. D'accord, bon, moi c'est Joyeux Lokosou, je suis linguiste de formation, j'ai fait la communication, je fais également le journalisme à Radio Univers, où j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je ne sais vraiment pas comment vous venez de le dire, c'est vraiment difficile, mais j'y répète mal. J'aurais peut-être voulu que vous puissiez me poser des questions pour que je puisse répondre. Ouais. Ah, ça aurait peut-être mieux. Sinon, je vais divaguer un peu. Alors, votre motivation au journalisme? Bon, c'est vrai, ça va paraître un peu bizarre. Je n'ai pas véritablement une passion pour le métier. Mais j'adore les journalistes parce que ça a commencé depuis 2003 où j'étais à Nati, où j'éprouvais du plaisir à suivre le doyen Massima Rotondi, Annick Ballet et tout. C'était vraiment de la joie pour moi. J'éprouvais du plaisir à les suivre chaque fois parce que j'adorais les prestations, les éditions et tout, les débats. Donc d'où est partie ma motivation, je me suis dit... Je veux côtoyer les journalistes, mais je ne ferai pas le journalisme. Mais malheureusement ou heureusement, j'y suis arrivé finalement. Alors, quelles sont, selon vous, les contraintes de ce métier? Bon, c'est vrai, il n'y a pas ce métier-là sans contraintes, mais le journalisme, en réalité, a beaucoup de particularités en ce qui concerne les contraintes. Il faut dire d'abord, c'est un métier où vous savez quand vous rentrez, et vous savez quand vous allez au boulot, mais vous ne savez pas quand vous rentrez. Je pense que c'est un facteur qui joue sur beaucoup de personnes qui ont cette passion de pouvoir faire ce métier, surtout les dames, où très souvent... Les époux ne prouvent pas, ou du moins, si peut-être ils sont dans le domaine, là, c'est mieux. Mais s'ils ne sont pas dans le domaine, c'est très compliqué pour les dames de pouvoir venir au service peut-être tôt, ou on ne sait pas à quelle heure il faut rentrer et tout. Autre chose, c'est un métier aussi à risque. D'accord, c'est vrai, on dit je suis journaliste, on me voit à la télé, on devient une star et tout. Mais bon, il faut aussi savoir qu'on court des risques. Et on nous a appris, il faut traiter l'information et tout, il faut... Mais quelque part, on cherche la primeur de l'information. Vous voyez, parfois, on veut être celui-là qui apporte la nouveauté, qui a la primeur de l'information. Et quelquefois, on tombe dans des pièges où on est poursuivi et tout. Ou aussi, nous rencontrons très généralement ou très souvent ce problème de difficulté, l'accès à l'information.
voyez, vous allez vers la personne ressource qui a l'information, mais qui refuse de donner l'information. Ou du moins, vous allez vous ridiculiser. On vous demande de vous asseoir, de revenir et tout. Vous rencontrez beaucoup de difficultés avant d'avoir l'information qui est juste à côté de vous. Parfois, vous êtes même obligé de livrer ce que vous avez comme information sans pour autant consulter des personnes ressources et tout. Je pense que voilà autant de difficultés, autant de contraintes et tout par rapport à ce métier. Au-delà de tout, c'est un métier noble et passionnant. D'accord. Alors, Monsieur Lokosu, au départ, vous avez dit que ce métier n'était pas une passion pour vous. Alors, comment est-ce que vous avez fait votre entrée dans le domaine du journalisme ou des médias? Bon, d'accord. Il faut dire, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait mon entrée à l'université, j'entendais parler de Radio Univers. D'accord. Donc, je suis quelqu'un, je suis un peu rigoureux, j'aime donner des ordres et tout. J'ai appris qu'en réalité à Radio Univers, qu'ils sont rigoureux et que Radio Univers, c'est la pression, c'est un camp militaire et tout. Bon, par curiosité, je me suis dit, j'irai voir ce qu'il y a là-bas, et ils parlent de rigueur et tout. Donc, en 2013-2014, j'ai passé le test, j'ai échoué. Je me suis calmé, je me suis dit bon, je ne vais plus revenir. En 2014-2015, je suis revenu et j'ai encore échoué. Alors je me suis dit bon, peut-être que ma curiosité ne sera pas réaliste, genre ça ne pourra pas me permettre. Voilà. Donc du coup, un ami m'a dit bon, tu as échoué une deuxième fois, ne baisse pas les bras, il faut revenir et tout, il faut tenter. Je lui ai dit, mon frère, j'ai mieux à faire. Mais il m'a convaincu. Il y a un test qu'on fait, on parle de collaborateur, une seconde vague. Donc je suis allé à la seconde vague des collaborateurs où j'ai été retenu finalement. J'ai commencé la formation, pas dans l'intention de véritablement faire le journalisme, je le dis chaque fois. J'ai fait ma formation en tant que stagiaire en 2015 où j'ai été formé par les douaniers, les aînés de la place et tout. Après ça, il faut servir la radio pendant un an. Donc, ce que j'ai eu à faire, servir la radio pendant un an en 2016. En 2017, bon, on me proposait de venir occuper un poste dans le Codi élargi où je devais être chef des campus. Je me suis opposé. On a demandé à ce que je puisse également être organisateur général. Bon. J'ai eu à déposer le dossier, j'ai été nommé organisateur général numéro 2, où j'ai eu à travailler en tant qu'organisateur et tout, et sous un directeur adjoint chargé de la formation et de la gestion de la ressource humaine. Je me suis dit, j'ai compris beaucoup de choses, il va falloir que j'aille un peu plus haut pour faire mes expériences et tout. C'est ainsi que j'ai postulé pour le poste de directeur adjoint où j'ai été aux élections et j'ai été retenu. Par rapport à en tant que directeur adjoint chargé de la formation en 2017-2018. Donc après ça, j'ai été élu également directeur de la radio, où j'ai également eu à faire un petit bonhomme de chemin, bon, tout en gardant ce flair, cette passion pour le métier et tout. Mais bon, je quitte définitivement le métier et tout. Ça reste quand même une passion parce que j'aime voir, quand je vois les journalistes, les collègues, les confrères et tout. Ça me passionne. Et le chemin était-il périlleux ou très facile? Il faut avoir le courage de le dire. Surtout à Radio Univers. Radio Univers, c'est une école. Je me permets de le dire. Je ne fais pas de la publicité ou de la communication pour la radio. Mais il faut connaître, que c'est une radio qui a formé plus d'un. Beaucoup de journalistes de la place. Pourquoi on parle de fournisseurs officiels des autres stations? Ça, je reconnais ce mérite-là pour la radio. En matière de sérieux, de rigueur, ça, je dis chapeau, il y en a. Ça n'a pas été facile parce que vous êtes étudiant et vous voyez des étudiants vous gérer, alors que même dans les amphithéâtres, c'est difficilement que les professeurs qui ont les personnes qui étudient, qui ont le doctorat et tout, n'arrivent peut-être, excusez-moi du peu, à cadrer les étudiants. Mais par contre, chez nous, ou peut-être un étudiant, excusez-moi du peu, quel qu'en soit votre type de pagaille et tout, vous venez, on va vous cadrer et vous allez rester. Donc, pour dire vrai, ça n'a pas été facile. Parfois, on a envie de partir, parfois on a envie de tout laisser, mais vous avez de la pression, des connaissances à vous qui disent, si vous laissez, vous aurez affaire avec moi et tout. Bon, on n'avait pas le choix. Trouver de l'information, il faut amener les deux brefs, deux dossiers et tout, les sujets initiés. On ne dort pas, il faut se lever à 2 heures.
c'est et passionnant. Comment arrivez-vous à cadrer ces étudiants-là? Bon, moi, c'est vrai, il faut dire, depuis quand j'étais organisateur général, j'ai compris qu'en réalité, qu'il va falloir être plus rigoureux envers ces gens. C'est pas, c'était pas facile, vous voyez des personnes qui sont âgées plus que vous. Vous recevez même des professeurs qui viennent pour la formation, des étudiants qui sont corpulents et tout, et qui font peur. Qui font peur, il faut avoir le courage de le dire. Et vous savez, les organisateurs, il faut s'imposer. Bon, moi, j'arrive quand même à m'imposer et tout. Surtout quand j'étais directeur adjoint, ça n'a pas été facile ou... avec ma promotion où vous êtes en face de plus de 500 étudiants, vous voyez, où vous devez quand même discuter avec eux. Ils viennent avec leur mentalité de, d'amphithéâtre et tout, alors que ici c'est autre chose, c'est une rigueur pas possible, c'est une soumission ou une démission. Donc on arrive quand même à s'imposer. Moi particulièrement, je fais quand même l'effort de m'imposer, parfois même on va même jusqu'à dire des choses peut-être pour faire peur. Parce qu'on se dit, bon, si on tend ça et tu viens là, s'élève contre toi, qu'est-ce que tu allais faire et tout. Ce n'est pas facile. Mais on arrive quand même, parce que même les parents nous appellent, on reçoit des coups de fil où on contribue grandement, je dirais, à l'éducation. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand les étudiants ils viennent, c'est peut-être avec des soirées, un peu des cheveux pas possibles sur la tête, des filles, des slims et tout. On porte un peu de tout. Mais quand vous arrivez, nous, on essaie quand même de vous montrer la bonne manière, de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand on veut être journaliste, on ne porte pas de soie, on ne fait pas des cheveux bizarres sur la tête, on s'habille décemment et tout. À la maison, on ne se contente pas sur une novellas et tout, il faut suivre les informations de l'actualité et tout. Donc vous êtes contrainte à faire tout cela. Monsieur Joyeux Lokosu, oui. Vous l'avez bien dit, Radio Univers... le fournisseur officiel des autres radios, j'ai envie de dire que Radio Univers est presque le power bank des autres radios. Et pour y accéder, il a fallu que vous soyez recalé plusieurs fois. Justement. C'était dû à quoi? Bon, est-ce que je vais dire que c'est... parce que vous voyez, ils sont environ 500 ou plus de 500 à venir à un test. Vous voyez, on n'a pas les moyens pour former. C'est un cadre très restreint. Je pense que vous avez fait un tour Radio Univers, vous avez vu le lieu de... notre radio, c'est très restreint. Ce n'est pas véritablement un cadre pour abriter une radio, mais on fait avec. On voit les jeunes qui ont de la passion, qui sont dévoués, qui travaillent sans salaire, sans motivation, avec le matériel précaire et tout. Ce n'est pas toujours pas facile de pouvoir le faire, mais pourtant, on y arrive. Vous êtes linguiste, communicateur et aussi journaliste. Oui. Quelle différence on peut faire entre... ces trois titres? Bon, c'est trois choses différentes, c'est vrai, les trois choses vont de pair, mais un communicateur n'est pas un journaliste. Quand vous êtes journaliste, vous devez faire la part des choses, c'est vrai. Les deux ils vont de pair, mais il y a une différence entre la communication et le journalisme. Vous voyez, parfois, quand on parle de journalisme, vous êtes appelé à livrer l'information telle qu'elle est. Sans pour autant faire de... Parce qu'il y a les gens journalistiques qui parlent de commentaires, de gens informatifs et tout. Alors que quand vous êtes communicateur... Bon, je vous donne un exemple, la belle preuve, quand vous voulez être SECOM, dans la cellule de communication de quelqu'un, vous déposez votre... CV. Non, bon, vous abandonnez votre peut-être poste de journaliste et tout, en temps normal. Parce qu'un journaliste ne peut pas être en même temps un communicateur et tout. Moi, je pense qu'il y a une... différence. Et pour le commerce du motel, pour ceux-là qui nous suivent, un linguiste, c'est qui? Pour un linguiste, moi, j'appelle très souvent les linguistes les mécaniciens de la langue et tout. C'est beaucoup plus scientifique. Un linguiste, c'est celui-là quand même qui non seulement se donne à la lecture et qui a de la passion pour les langues et qui en réalité s'en rend compte, sait quand même qu'il pourra peut-être donner un plus dans le domaine de la langue française et tout, parce que c'est arrivé en troisième année, il faut choisir des options et tout pour pouvoir, où il y a l'option communication, didactique des langues et tout. Alors pour nos jeunes qui nous suivent également, quelle nuance faites-vous entre le journaliste presse écrite et le journaliste audiovisuel? Bon, c'est vrai, il y a une différence, mais très souvent, il y en a qui font le journalisme presse écrite et ils vont au niveau de la presse audio. C'est vrai, quand on parle de journalisme, il y a deux types de journalistes, ils vont, je peux me permettre de le dire aussi, ils vont de pair. Mais
c'est beaucoup plus l'écrit. Au niveau de la presse écrite ou les parutions, vous démontrez votre plume à travers votre écrit et tout. Alors que l'autre, c'est le média chaud. Vous êtes appelé à livrer l'information. Ce n'est pas... Il n'y a pas d'erreur en livrant l'information parce que vous ne pourrez pas corriger dans les médias. Alors que peut-être au niveau de la presse écrite, si vous commettez des erreurs, vous pouvez retirer votre... Ce n'est pas permis. Ce n'est pas conseillé non plus. Mais vous pouvez quand même prendre votre parution et rectifier ou peut-être les... ceux-là qui ont de la passion pour la presse écrite et qui lisent les journaux peuvent quand même avoir leur dictionnaire à côté et prendre connaissance des mots compliqués. Alors qu'à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas le temps de pouvoir dire je vais faire une pause et pouvoir suivre, pouvoir voir la définition de l'expression du mot, ce qui n'est pas évident. Alors, monsieur Lokosu, oui, c'est quoi votre mets préféré? Mets préféré. C'est du couscous. Couscous. Vous savez comment on prépare le couscous? Couscous. Alors, on va faire un détour à la régie, voir si on peut trouver du couscous. Ah bon? Pour servir à notre invité. On a trouvé Kérosène tout à l'heure. Sur Mag Office. Il y a la avec sauce. Avec tout plaisir, là, on accompagne nos invités. D'accord. Tout de suite, je suis impatient. La rubrique City Mike. Je suis Prétine Belka Sazorou. Je l'ai connu grâce à Radio Univec en 2007. Il fut mon organisateur général. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, mais c'est qui ce gars égoïste? Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. On le voit, il ne sourit jamais. Je me suis dit, est-ce que cet homme, je peux me rapprocher de lui un jour? Mais il s'est fait que toujours en 2017, il a commencé à sortir avec l'une de mes meilleures amies, Alison Baderenton. C'est de là que j'ai commencé à un peu plus me rapprocher de lui. J'ai découvert que Joyeux n'est pas un gars égoïste comme on le pensait. Le problème chez lui, c'est qu'il a beaucoup de principes. Joyeux, c'est un homme qui ne se décourage pas comme ça. Spirituellement parlant, il est très fort. Sur le plan amical, il est compréhensible, il t'écoute, il te donne des conseils quand il le faut. Quand Joyeux est au boulot, quand Joyeux est à la radio, c'est comme s'il ne te connaît pas. Donc il fait très bien la différence entre relation amicale et relation professionnelle. Ce que moi je n'aime pas chez lui, c'est son silence des fois, parce que quand on le voit comme ça, c'est très difficile pour quelqu'un de s'approcher de lui dans ces circonstances. Donc je peux dire que c'est ce que je n'aime pas trop chez lui et je prie un jeu qui corrige cela. Je veux dire que j'ai partagé un événement heureux et malheureux avec quand il voulait être directeur à Radio Univers. C'était un peu difficile. J'ai partagé ces moments de stress avec lui. On voyait qu'il était un peu traumatisé. C'est un moment qu'on a partagé avec lui. Nous a un peu plus rapprochés de lui. Moi, je lui propose de être silencieux avec ses amis. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je prie Dieu de l'aider à atteindre vraiment ses objectifs et de l'aider vraiment à être joyeux comme son prénom. Moi, c'est Joyeux Francis Mepenou. Alors, Joyeux, je l'ai connu grâce à Radio Univers. On est tous venus à Radio Univers la même année, promotionnel donc. Et par la suite, on a été OG en 2017. J'étais l'OG 1, il était mon OG 2. On a dû collaborer pour la formation et le suivi par rapport à la rigueur des stagiaires de la promotion 2017. Avec Joyeux, il faut reconnaître que c'était bien pris la collaboration, mais notons qu'entre être mère, il arrive des moments où des prises de bec ou des malcompréhensions s'installaient. Mais Dieu aidant, puisqu'on est tous de la même religion méthodiste, nous avons su mettre tout dans les mains de Dieu qui a favorisé la relation que nous avons eu au cours de notre mandat et après même ce mandat. La collaboration donc avec Joyeux que c'est pris et il m'a encore surpris tout récemment par des actes qu'il a menés. Il a tenu parole par rapport à une promesse d'il y a un an. Joyeux, c'est ça, je te dis chapeau. Sur le plan amical, Joyeux c'est un frère en Christ, donc ça se passe très bien également, même si pour reconnaître qu'il a cette défaut-là à lui. Parfois, il est silencieux, dans ce silence, tu te rends compte qu'il veut te faire croire qu'il est plus intelligent, plus malin que toi. Il y a ce côté que je déplore beaucoup dans ces Joyeux, quand il veut faire son malin-là. Des moments malheureux, heureux, on en a tellement connu, parce que vous savez, quand on parle d'OG à Radio Univers,
Ce n'est pas facile, je vous assure. Donc, on en a vécu des moments heureux lors de cette collaboration en tant qu'OG et des moments malheureux également. Je veux reconnaître que ce soit heureux ou malheureux, Joël, comme je le disais, il se tait, il te regarde et tu n'arrives pas à savoir ce qui est toujours au fond de lui. Parfois, quand il te parle, tu es obligé de porter des gants, l'écouter. Voilà. Alors, pour lui, je souhaite tout le bonheur du monde. C'est vrai qu'au-delà de tout, c'est un bon ami, c'est un bon frère et qu'il fasse l'effort de cultiver plus le bon côté qu'il a. Quand des situations se présentent, qu'il puisse trouver les mots pour discuter avec son vis-à-vis, qu'il ne se rappelle pas toujours celui. Sois heureusement comme je suis. Merci. Moi, c'est Ali Mbedereto et Joël Lokos. C'est l'homme à qui j'ai choisi de garder la main pour la vie. Alors, lui et moi, on s'est rencontrés par le biais de la formation à Radio Univers. Et cela fera bientôt 3 ans. Joël est l'un de ces hommes qui a beaucoup de principes. À le voir, on dirait qu'il est très égoïste, mais ce n'est pas le cas. Je dirais qu'il tient la plupart de ses caractères de son papa. C'est un homme rigoureux pour le travail. Il ne mélange jamais le travail avec l'amitié ou le plaisir. Toujours à l'écoute des gens qui lui sont chers ou des autres. On peut dire qu'il a cette manière têtue de toujours obtenir ce qu'il veut. Il est un peu spécial dans ses actions et sa plus grande force, c'est la prière et son intuition spirituelle. Et comme tout homme, ne vous en faites pas, il a de défauts également. Le sien, c'est son silence et sa manière de toujours réfléchir à tout. Il veut toujours avoir de solutions à tous les problèmes. Je dirais que Joyeux est toujours heureux, à moins qu'il ait un souci ou un problème qui l'empêche d'être dans son humeur normale. Pour le surprendre, c'est toujours difficile. Car il pressent toujours pour venir. Il a cette manière d'avoir une longueur d'avance sur les choses quand on veut lui faire une surprise ou quelque chose. Aussi, le voir pleurer, c'est un peu difficile, mais il arrive parfois qu'il pleure. Comme tout homme, il est sensible également. En parlant des événements heureux ou malheureux que je l'ai vu vivre, je dirais que c'est ça pour les élections. Au poste de directeur, ça n'a pas été facile, c'était un peu difficile, mais il avait la tête sur les épaules et par la grâce de Dieu, il a été directeur de Radio Univers, mandat du 2018-2019. Mon conseil pour lui, c'est d'être moins silencieux et d'être plus à l'écoute des gens ou plus à l'écoute de moi. Et je lui souhaite d'obtenir tout ce qu'il veut et d'arriver à avoir ce qu'il rêve comme ambition. C'est ce que je nous souhaite. Alors bisous chéri. Je m'appelle Lokosu Mbonyo Arator. Je suis le papa de Joyeux. Joyeux est né à Soaba, le 22 juin 1990. Il m'a toujours demandé, mais que cet ami lui demande quoi on l'appelle Joyeux. Il m'a toujours demandé ça. Donc on était à Soaba, on n'avait pas de parents, ni moi, ni sa mère, on n'avait pas de parents. Donc quand il devait naître, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont le déplacer au poste? Donc il est né, et j'ai dit, Tommy Roy, Joe Badao, Jonon Ni, Taïro, et même. Il m'a donc gardé un dos, c'est pourquoi il est Tommy Roy. Donc il s'appelle Tommy Roy. Et quand il va faire ça, Seigneur, nous serons joyeux. Et quand nous serons joyeux, nous allons remercier le Dieu d'amour. Donc il est Tommy Roy, joyeux, Redia. Remercions le Dieu d'amour. Il a fait des études avec moi, le CEP, le DPC et le bac à Zé, et il s'est retrouvé avec vous. Voilà. C'est un garçon en qui je place toute ma confiance. Parmi ses frères, il est mon plus secret. Et tout ce qu'il a fait en son temps, c'est qu'il a doublé la première, et sans rien me dire, il s'est déplacé lui-même, il a fait les papiers lui-même, et il s'est inscrit en terminale dans le CG. C'est après, il m'a dit que c'est fini, qu'il s'est inscrit, donc il faut la. Et j'ai payé. La scolarité. En son temps, ça m'avait énervé, mais j'ai fini par comprendre que c'était le sort, c'était ce qui devait arriver. Il n'a rien fait de particulier qui puisse m'énerver jusqu'à... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est ça, au moins, s'il y avait un mal qui n'allait pas, qui ne coule pas de lait. Donc, quand il est né, on a fait souvent, on a fait la sortie, et il n'a pas trouvé de lait. Vraiment, on a souffert. Mais on a couru pour avoir des tisanes. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé. Et il est resté un peu comme ça. C'est tard après qu'il a commencé à têter avec le biberon. Ce qui nous a marqué, c'est que un jour, quand il finit de têter, il va jouer au ballon. Il revient, il vient têter. Donc un jour, il est allé jouer au ballon, il revenait quand sa maman dit, on va lui faire ça aujourd'hui. Et on va mettre le pédonia sur le fer pour voir s'il va têter. On ne sait pas s'il a entendu. On l'a fait, on dit, non, il va bien, bien têter, bien têter. Il a réussi. Donc même lui, il a têter. Ça m'a un peu affligé, mais au fil des jours, on a commencé par lui administrer les choses et ça s'est passé. Bon, de joie, il m'a amené de la radio univers et sans mon consentement, il m'a obligé
c'est j'ai adhéré, c'est nous voici maintenant là. Vraiment, ça n'a pas été parti, j'ai fini par, puisque je l'aime, donc j'ai fini par accepter la chose, et voilà là où nous sommes. J'ai tout fait pour lui. Il sait que nous sommes un ménage chrétien. Donc nous disons toujours à Dieu, faire ce qui lui plaît, au lieu de ce qui nous plaît. Qui ne veut pas voir son enfant devenir le plus riche du monde, il n'y a personne. Nous, on préfère nous confier à Dieu, et tous les matins on prie, et on les confie à Dieu. Donc ce qui sera, c'est ça le plan de Dieu, et Dieu est en train de réaliser ce plan-là. Merci à la régie. Le couscous, c'est pimenté ou salé? Il y a un peu d'oignon dedans. Je reste bouche bée. C'est tout à la fois. C'est pimenté, c'est salé. C'est beaucoup d'émotions. Il a perdu sa langue. Il a souvent une longueur d'avance sur les gens. Vous sentiez un truc comme ça venir avant de venir sur l'émission? Ouais, il faut l'avouer. Ah ouais? C'est vrai, je n'ai jamais suivi l'émission et tout, mais bon. J'avais des pressentiments. Donc, elle a raison de dire ça. Elle vous connaît vraiment. Vraiment. Difficile de couler. Effectivement, ça venait, mais je n'ai pas sorti. C'est un garçon accompli. Alors, Joyeux Lokosu est un homme intègre, humble. Alors, que pensez-vous de ces témoignages? Bon, je ne sais vraiment pas quoi dire, mais je pense que, en partie, c'est vrai. C'est un peu moi. Je m'attendais, c'est vrai, je me suis dit qu'il aurait peut-être... Je pressentais des choses du genre, mais pas vraiment aller jusqu'à ce que mon père intervienne, mes proches et tout. Bon. Je m'y attendais peut-être pas. Ça a été une surprise, je dirais une belle surprise, de pouvoir écouter les proches, les parents et tout, intervenir, parler de moi. Ça fait plaisir. Je pense que c'est moi. Ouais. Et avant de devenir toi, actuellement, tu as été enfant. Quel a été le meilleur souvenir d'enfance que tu gardes jusqu'au jour d'aujourd'hui? Meilleur souvenir. Bon, je pense qu'avec mon grand frère, on s'amusait beaucoup. Et mon grand frère. Ballon. Bon, pas vraiment. Après, tu regrettais. Je n'ai pas souvenu de ça. Après le ballon, juste, il faut aller voir maman pour t'aider. Je n'ai pas souvenu de ça. Mais je pense qu'avec mon grand frère, on s'est beaucoup amusé. C'est quelqu'un qui me taquinait beaucoup, qui me mettait de la pression, qui me donnait des ordres, qui me tabassait bien. Ah ouais. Il me faisait faire des exercices très pénibles. Ou, par exemple, je me rappelle du jour là où maman l'a commandé, où il devait aller prendre quelque chose dehors. Moi, je ne devais pas sortir le soir là, puisque il y a des troupeaux de bœufs qui entraient dans la maison et tous les soirs, aux environs de 17h, 18h. Donc, on l'a demandé de ne pas m'accompagner ou de ne pas aller avec moi. Il s'est entêté, il m'a fait la main de venir. Moi, je l'ai suivi parce que je ne peux pas désobéir à ses ordres et tout. Je l'ai suivi et quand on ouvre le portail, c'est un bœuf qui m'a accueilli et m'a roulé à terre et tout. Moi, ça, c'était pas facile le jour là. J'étais enfant, moi, je n'ai rien eu comme blessure, comme coup. Mais c'était devenu mes joues, ma tête était enflée et tout. Et heureusement, j'avais rien eu. Après cela, il y a les bicyclettes qu'on appelait Phonis, où on mettait ça sur deux pose-pieds et on roule. Oui. Donc, quand les gens viennent, ils gardent la bicyclette, ils roulent, ils me demandent de mettre la main dans le rayon pour voir. Aïe. Que ça va donner. Donc, moi, tu as bien vu dedans. Je le faisais comme tempéré. Je mettais mon doigt dedans, ça me broyait le noir et tout. Et il m'appelle, il me calme. Un jour, les parents étaient sortis où il y avait de l'eau dans une bassine ou tonneau et autres. Et il m'a demandé de monter deux fois dedans. Donc je voulais monter quand il m'a ramassé par les pieds, je suis tombé dedans. Bon, beaucoup de choses. Alors, monsieur Lokosu, on avance un peu et je suis curieuse de savoir à quel âge avez-vous courtisé pour la première fois une femme? Wow. À quel âge? Est-ce que cela a été favorable? Pour la première fois, ouais, quand tu as essayé, est-ce que...
Bon, j'ai une nature un peu particulière ou un peu spéciale. Bon, je ne suis pas du genre, avoir la femme, ouais, fait. Je suis un peu égoïste, pour ça je le reconnais. Ouais. On dit appeler la femme, c'est un peu comme la considérer au lieu de faire la cour et tout. Bon. Je n'ai pas eu trop à faire ça en fait. Non, c'est celles qui vous ont dragué, c'est non, ça? Non, pas vraiment. Bon, peut-être que je profite des occasions, voilà, des situations et tout. Mais il faut dire pour la toute première fois, c'était une réussite et tout. Parce que peut-être elle s'attendait à ça. C'était moins cher. Elle des clés d'œil et t'en as profité. Et c'était déjà à quel âge? Approximativement? Bon, c'était rien de sérieux, mais c'était... Qu'est-ce que vous appelez? À 14-16 ans et tout. Ah, 15 ans. Je me rappelle bien. D'accord. Et quand vous avez envie d'aider madame à la maison, quel pan du travail accomplissez-vous? La lessive, la vaisselle? Ou carrément la cuisine? Bon, il faut déjà reçu une éducation spéciale. Les parents nous ont indiqué à tout faire à la maison et tout. Donc du coup... préparer n'est rien pour nous, faire la lessive et tout, le ménage. Donc je fais un peu de tout, quand je veux. Quand je veux pas, je fais pas. C'est sûr qu'elle nous suit, hein? Elle peut témoigner. Ah oui. Ah d'accord. Ben, aujourd'hui, pour ceux-là qui nous suivent, en tant que jeune, qui a envie de faire comme vous, quel message vous avez à leur endroit? Bon, message, ouais, c'est très souvent difficile. C'est vrai, les messages, on va lancer des messages et tout. Mais il y en a qui sont... conçu ainsi, il y en a qui ne veulent pas changer, il y en a qui ont les principes et tout, bref. Mais je pense que, en tant que jeunes, nous devons copier le bon exemple. Ouais, nous sommes dans un monde, une génération aujourd'hui où on veut faire comme l'Occident, on veut faire comme l'extérieur et tout, où on veut copier sans pour autant savoir ce qu'on est en train de copier. Moi, je pense que tout part de l'éducation de la base. Quel type d'éducation vous avez reçu? Parce que si vous recevez une bonne éducation, même si vous venez dans un milieu où vous avez des personnes qui en temps ne donne pas le bon exemple, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire recours à votre éducation de base. Donc je dirais quand même que les jeunes, parce que nous sommes tous jeunes, que nous puissions quand même copier le bon exemple, faire honneur à nos parents tout en posant des actes et tout. Merci. Avant de mettre fin à cette émission, on va aller tout de suite avec notre dernière rubrique, pile ou face. Voilà, monsieur Lokosu, rapidement, choisissez entre ces deux papiers. Face. Alors, lisez-nous ce qui est écrit. Allez-y. Vous lisez-moi. Votre dernier mensonge remonte à quand? Voilà, répondez-nous rapidement. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? mensonge. Ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de mentir. Mensonge remonte à quand? Nul n'est pas à faire. Tout à fait. Avant le démarrage de l'émission? Non. Deux jours, trois jours. Avant de passer service le vendredi passé. Peut-être plus. Mais j'ai fait l'effort ce mois-ci. Je ne l'ai pas menti. Alors, c'est la fin de votre émission de divertissement Mag Office. Votre mot de fin rapidement? Bon, je suis ému. Je pense que c'est une très belle émission. Ça fait plaisir de pouvoir quand même être célébré de son vivant. Justement. Donc, je voudrais quand même saluer tout le monde, dire merci aux animateurs de l'émission et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et que Dieu nous garde. Un mot de fin? Ce sera pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et leur donner rendez-vous mercredi prochain pour la même messe. Et voilà, le plaisir est pour nous d'être avec nous tous les mercredis, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.